Bon, je pense que pour évaluer un drone, il y a trois catégories de critères. Il y a ses possibilités en termes de mode de vol intelligent et d'assistance au pilotage. Il y a les images qu'il fait hein, avec vraiment ben, son capteur, sa caméra. Et il y a enfin le tout côté pratique avec résistance au vent, taille, poids, tout ça. L'importance de ces trois catégories va dépendre de vos besoins, de vos envies, de votre usage du drone. Et donc je commence par parler pour ce Mini 4 Pro de tout ce qui est assistance, aide au vol, possibilité de l'application DJI Fly quant au Mini 4 Pro. Sur ce point, c'est très simple, le Mini 4 Pro est le seul de la gamme des mini à avoir absolument tout ce qu'ont les Mavi 3, donc les drones plus haut de gamme de chez DJI. Ce Mini 4 Pro, il a absolument tout. Donc, à la fois les hyperlapses, les waypoints, là où on peut enregistrer des points avec un comportement du drone à chaque point et entre chaque point, et puis reproduire, si on souhaite, cet itinéraire avec ses modes assignés entre chaque point. Ça, le Mini 4 Pro, il a. Il a aussi le cruise control où on peut initier un mouvement avec les joysticks, appuyer sur un bouton en dessous et on lâche tout et le drone continue à faire le mouvement qu'on avait commencé à faire. On peut aussi paramétrer des vitesses maximum pour chaque mode de vol, ciné, normal et sport, comme ce Mini 4 Pro à des capteurs d'obstacles dans toutes les directions. Il a aussi le même suivi que propose le Mavic 3, suivi donc de personnes, de véhicules, ActiveTrack qui est intelligent, on peut définir des mouvements un peu complexes du drone. Il y a aussi un mode automatique qui fait tout tout seul depuis maintenant deux mois. Bref, il a vraiment absolument tout ce qu'a un Mavic 3. C'est vraiment une chose qui est très particulière pour un drone de la gamme mini. Comme par ailleurs, il a une version plus récente du oq la liaison entre la radiocommande et le drone. Et eh bien ce mini 4 Pro, tout comme le R3, ce sont les deux seuls drones qui peuvent utiliser les radiocommandes RC2 et RCN2. Et ça propose une liaison plus fiable et une portée supérieure à celle de RC1 et RCN1, comme pour le Mavic 3 classique par exemple. Par ailleurs, cette radio commande, notez qu'elle a d'une part des antennes, donc c'est aussi quelque chose qui est plus fiable au niveau du signal. Et aussi elle est plus rapide, je trouve, que la DJI RC1. Au niveau de navigation entre les menus, c'était un petit peu galère avec la RC1 au niveau euh, au niveau lag, quoi, au niveau latence qu'il y a entre les commandes qu'on fait sur l'écran et ce qui se passe réellement. Sur la RC2, par rapport à ça, c'est mieux. Alors bien sûr, il garde les possibilités qu'ont les Mini 3 au niveau orientation de la caméra en mode vertical, mais aussi au niveau du tilt. On peut monter la caméra à 60 degrés vers le haut ce qui n'est pas possible sur ces drones là qui montent eux en général vers 20 degrés c'est bon pour deux choses d'une part bien sûr pour des plans qu'on voudrait faire en filmant vraiment vers le haut mais aussi pour faire des photos panoramiques sphériques complètes les mini 3 pro mini 4 pro sont les seuls drones de la gamme dji qui font des photos panoramiques complètes y compris avec le ciel sur ces drones là ici là ben, on n'aura pas le ciel il y a une sorte de, de rond qui apparaît sur le mini 4 pro et mini 3 pro elles sont complètes donc au niveau des possibilités, il a absolument tout ce qui se fait de mieux, mais c'est pas tout, il y a aussi un truc qu'il est le seul à avoir, c'est le AEB7, les photos en marketing d'exposition avec 7 photos, contre 5 pour quasiment tous les drones et 3 pour les tout petits comme le Mini 2SE par exemple. Ce AEB7, ben, il a apporte vraiment un gros plus parce qu'on a deux photos en plus, hein, une de chaque côté, en sous-exposé et en surexposé, qui apporte encore plus d'efficacité de, euh, au rendu HDR qu'on a derrière. Bref, c'est un point qu'il est encore une fois le seul à avoir dans toute la gamme DJI, ce AEB7. Courte pause pour deux points, d'une part ce mini 4 Pro je l'ai acheté, hein, la vidéo n'est pas sponsorisée, et si elle vous est utile ou agréable pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches et à vous abonner, ça m'aide beaucoup, on y retourne. Deuxième catégorie de critères, c'est tout ce qui est bien sûr caméra et les images qu'on peut en tirer. Alors, avec son capteur de 1 sur 1,3 pouces et son ouverture à F sur 1,7, c'est très proche de ce que faisait le Mini 3 Pro par exemple, mais il y a quand même des différences qu'on verra dans la foulée. Bien évidemment, au niveau rendu de l'image, ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez DJI parmi les drones, on va dire pliables, c'est ce qui se passe chez le Mavic 3 classique et Mavic 3 tout court, hein, euh, pro. Euh, là, on a un capteur de 4 tiers de pouces. C'est vraiment ce qui se fait de mieux sur la gamme des drones pliables de chez DJI et c'est aussi associé à des fréquences d'image. Et d'autres choses au niveau des profils plats et tout qui sont vraiment professionnels et que, qui sont exclusifs, quelque part, bien souvent à la gamme des Mavic 3. Cela dit, Ici, on a le Mini 4 Pro avec quand même des choses qui sont hyper intéressantes. On a aussi le DLOG M 10 bits sur ce Mini 4 Pro. On a aussi des choses comme la fréquence d'image de 100 images par seconde en 4K. Ce que n'a pas le Mini 3 Pro, hein, il s'arrêtera à 60 images par seconde. En 4K HDR, ce Mini 4 Pro peut monter en 60 images par seconde contre 30 pour le Mini 3 Pro. Un petit mot rapide sur le R2S qui est toujours en vente hein, sur le site de DJI et qui reste aujourd'hui un excellent drone qui a un capteur de 1 pouce, donc plus gros que ceux des R3 et Mini 4 Pro. Euh, et ça se voit, hein, il y a un peu plus de piqué, l'image est vraiment sympa, mais comme ce capteur est un peu vieillissant, il y a aussi des fois ou des circonstances, des contextes dans lesquels le Mini 4 Pro ou R3 feront une image un peu meilleure que celle du R2S et des fonctions qui sont aussi supérieures hein, liées au fait qu'ils sont plus récents, tout ce qui est HDR et tout, ben, ça va améliorer l'image sans que vous ayez rien à faire et le R2S ne pourra pas lutter. De la même manière, pour tout ce qui est fonction intelligente, il est vraiment maintenant un petit peu dépassé, mais le R2S reste aujourd'hui encore un excellent drone et un très bon choix potentiel. Alors beaucoup disent que de grosses fréquences d'image pour faire de gros ralenti sur un drone c'est pas utile moi je suis pas d'accord hein, j'adore ça hein, sur des plans même des fois de paysage avec des cyclistes qui passent ou quoi ça rend trop bien je trouve et je suis vraiment très content que ce mini 4 pro ait du 4k 100 images par seconde d'une qualité qui est vraiment correcte d'autant que le débit de 150 mégabits seconde et aussi correct. Bien sûr, que ce soit pour les ralentis ou non, on va rester en dessous au niveau du rendu d'image de ce que pourra produire un Mavic 3 classique par exemple, qui a non seulement un plus gros capteur mais aussi un plus gros débit, ça monte à 200 Mbps. Bref, c'est clair et net, la meilleure image aujourd'hui sur un drone pliable, elle est chez les Mavic 3. Si vous n'avez pas envie, à cause de son poids, de sa taille, de son prix, d'investir dans un Mavic 3 classique ou un Mi 3 Pro, ben là il vous reste ces trois drones là au niveau meilleure image possible, le R2S avec un plus gros capteur et, sous, et des fois plus de piqué et ces deux là qui sont beaucoup plus récents, plus de possibilités et une image qui est bien souvent comparable à celle du R2S. Encore une fois ce Mini 4 Pro parmi la gamme des Mini, il est largement au-dessus niveau des possibilités et du rendu de l'image et c'est aussi un excellent drone pour ça. Alors un petit point intéressant c'est que malgré le fait que les caméras entre les mini 3 pro ou des mini 4 pro fassent la même taille, et eh bien les encoches sont un peu différentes sous le protège objectif là. Donc les filtres ND ne sont pas compatibles entre le Mini 3 Pro et le Mini 4 Pro. Faudra en racheter, moi c'est pas compliqué. Hein. Depuis maintenant 6 ans, j'utilise les filtres de la marque Freewell, dont je suis ravi, qui sont super costauds et qui font une belle image. Donc ce Mini 4 Pro vu qu'il ouvre à F sur 1,7, c'est une très grande ouverture, beaucoup de lumière rentre. Alors en photo on s'en fout, pas de soucis, hein. mais par contre en vidéo, quand on est près du sol ou qu'il y a un sujet qui se déplace, une voiture, un vélo ou quoi, eh bien il est intéressant de mettre un filtre ND pour pouvoir garder l'obturation assez basse et avoir un léger faux de mouvement et pas de saccade Donc moi j'ai quasiment constamment un NDPL4 dessus parce que le ND souvent je m'en fous, hein, je fais quasiment que du paysage et là c'est pas forcément utile. Par contre le PL j'aime bien l'avoir sur la mer ou sur la neige. Donc j'ai quasiment tout le temps un NDPL4 dessus et ponctuellement quand j'ai besoin pour un plan donné ou je suis près du paysage ou près d'un sujet que je filme d'avoir ce petit flou de mouvement, et eh ben je vais virer celui-là et mettre un ND qui sera adapté aux conditions de lumière du moment. Pensez bien quand vous utilisez un filtre ND pour verrouiller l'exposition et avoir ce petit flot de mouvement là en mettant l'obturation au double du nombre d'images par seconde mais bah pensez bien que quand on fait ça il faut aussi verrouiller les ISO hein. passez bien tout en mode manuel si on a un filtre ND et qu'on laisse les ISO en automatique le drone va juste monter les ISO et ça va juste pourrir l'image sans pour autant que vous ayez le rendu que vous vouliez dernière catégorie critère, c'est tout ce qui est pratique on va dire euh, première chose un truc qui est important en tout cas pour moi c'est que les drones mini sont vraiment silencieux ce mini 4 pro il est vraiment silencieux, euh, il ne s'entend pas quand en est à 40-50 mètres, euh, contrairement à tous ces drones-là, et surtout à un drone FPV, euh, lui vraiment on voit la différence entre le Mini 4 Pro et le R3, c'est vraiment un drone qui est silencieux et c'est un point que moi euh, j'aime beaucoup. Le second point bien sûr bah, c'est la taille et le poids. Hein. Quand on part en rando ou quoi, on peut prendre ça facilement dans la poche de la veste ou dans un sac à dos et la radio commande aussi. C'est pas la même chose pour euh, un Mami 3 classique ou un R3, qui sont quand même des drones qui sont beaucoup plus gros. Hein. Si vous voyez le R3, il est même bien plus gros que le R2S euh, c'est un gros drone, alors ça va dépendre de vous, et ce point là il est aussi lié à autre chose, c'est que avec un gros drone comme ça vous aurez une meilleure résistance au vent ces drones vont plus vite, ils sont plus lourds donc si vous volez dans des conditions où il y a souvent beaucoup beaucoup de vent et eh bien ils seront plus adaptés à vous qu'un mini 4 pro mais attention pour autant le mini 4 pro se débrouille bien dans du vent jusqu'à 20 25 nœuds il se fait baloter chahuter mais l'image reste propre donc on peut quand même s'en servir quand il y a un bon vent hein, mais il pourra moins résister à des très forts vents que ces drones là alors quand on vole dans le vent avec un drone il y a des points importants à avoir en tête pour éviter d'avoir des soucis des galères et ça j'en parle c'est l'un des points que j'aborde dans ma formation liée aux drones de loisirs où je parle de différents en point comme ça, comment régler le RTH, comment voler dans le vent, comment gérer les animaux ou les oiseaux un peu curieux. Cette formation comme les autres, j'ai très bon retour dessus. Je vous mets leur lien sous la vidéo en description et aussi ici en fiche. Alors puisqu'on parle de la résistance au vent qui est l'une des limites de ce Mini 4 Pro par rapport à ses plus gros drones, parlons de la seconde limite qui est tout ce qui est batterie et autonomie. Il tient moins longtemps en l'air qu'un R3 ou qu'un Mavic 3 classique en de beaucoup plus grosses batteries. Dans ce Mini 4 Pro comptait environ 20 bonnes minutes en l'air avec lui. Euh, comme il a des petites batteries et qu'en plus il est super intelligent au niveau des fonctions euh, qui sont embarqués, mais forcément ça consomme et on tient moins longtemps en l'air que là-dessus. Notez que les batteries du Mini 3 Pro marchent sur le Mini 4 Pro, mais pas l'inverse. Et comme elles sont un peu plus lourdes, mais quand on utilise une batterie du Mini 3 dans le Mini 4 Pro, il dépasse la barre des 250 grammes, donc il perd son C0, car oui, ce drone a le marquage C0. Ce qui amène aussi encore le dernier petit défaut qu'on pourrait lui voir, c'est que le marquage C0 au niveau européen, on va dire, ça impose aux drones qui l'ont de pouvoir uniquement monter à 120 mètres maximum par rapport à leur point de découpe. Concrètement, ça veut dire que si je suis en montagne et qu'il n'y a pas de restriction particulière par rapport au drone, donc c'est 120 mètres maximum en Europe quand il n'y a pas de restriction particulière, euh, et que ça monte un peu comme ça, bah en théorie je devrais être à 120 mètres par rapport au sol, donc je pourrais monter, monter comme ça. Sauf que si j'ai un drone de classe C0, comme ce Mini 4 Pro, je vais monter, monter, et quand il va arriver à 120 mètres de moi, il va s'arrêter il ne voudra pas aller au-dessus. C'est un point qui peut être important, moi ça ne me dérange pas, mais sachez-le, avant de l'acheter, ça peut être gênant pour vous. Alors maintenant mon avis, premier point, bien évidemment en prestation pro, je prends ce Mavic 3 classique, même si c'est pour faire un réel Instagram pour un client, hein, parce que certes ce Mini 4 Pro a le mode vertical, mais lui avec une définition qui peut monter à 5,1K et ce capteur qu'il a qui est beaucoup plus gros, ben quand je vais rogner dans ce 5,1K, je vais garder une super définition et une super image avec plus de plage dynamique que ce que propose le Mini 4 Pro. Donc ce Mavic 3 classique, il est meilleur niveau image, c'est clair et net. Euh, cela dit, il est lourd. Il est plus cher, il est plus gros. Donc, si vous voulez faire du drone, soit plus en mode loisir passionné, soit en mode pro, mais sans avoir envie d'investir dans un aussi gros drone que ça et les contraintes que ça représente, ça reste un drone, ce mini 4 Pro, qu'on peut utiliser aussi en Presta. Hein. Il y a des, quand il fait beau et que la lumière est bonne, n'importe quelle caméra qui est ici fera de belles images. Donc, ce drone-là, pour faire des petites images de drone en complément d'un tournage principal au sol, fera de bonnes images hein, en D-log MDB, vous pourrez même après étalonner proprement. Et ça reste une option qu'on peut envisager en tournage professionnel, mais bien évidemment, je vous conseille plutôt ça. Maintenant pour tout ce qui est loisir passionné, ben pour moi aujourd'hui, en prenant en compte toutes les trois catégories de critères dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur drone de la gamme DJI. Il a absolument tout et des points qu'il est le seul aussi à avoir. Il fait une bonne image, il est tout petit, il est silencieux. Franchement c'est un vrai régal. Il y a bien sûr selon vos besoins quelques points qui pourront vous diriger vers un plus gros drone. Hein. On a parlé du vent. Il y a aussi ce R3 qui a le second objectif avec le zoom qui est vraiment super intéressant pour ceux qui en ont besoin. Bref, bien sûr qu'on peut aller voir ailleurs, mais ce Mini 4 Pro selon... Moi, est le meilleur. Alors attention, pour autant, est-ce qu'il faut l'acheter quand on débute Pas forcément. Il est adapté aux débutants, hein. il est facile à piloter, il n'y a pas de souci. Mais si vous débutez, peut-être qu'il y a moyen de prendre un truc euh, moins cher. Sans se ruiner, hein. un Mini 3 par exemple, c'est un très bon drone aussi pour débuter. Et franchement, tout ce que propose le Mini 4 Pro, au final, on s'en sert pas souvent. Hein. Ce qui compte, c'est de faire de belles images de paysages ponctuellement. Et pour faire ça, ça c'est largement suffisant. Bref, ne craquez pas forcément votre compte en banque pour euh, un drone super cher quand vos besoins en tant que débutant, même pour faire de belles images, seront largement comblés par un drone qui sera beaucoup moins cher. En tout cas, que vous soyez débutant, confirmé ou pro, si vous voulez acheter un Mini 4 Pro, vous n'en serez pas déçu, je vous le garantis. Moi je me régale avec depuis que je l'ai acheté à sa sortie. Et c'est drone que j'utilise le plus hein, depuis que je l'ai acheté. Si la vidéo vous a plu ou était utile, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.